Salut, c'est Jean-Mathieu Taristasta de La Réunion TV. La vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous dire qu'en ce moment, avec le Non, j'arrive même pas à prononcer le truc. Tout le monde en parle, mais bon. C'est que actuellement, avec le coronavirus en France, j'ai l'impression d'être comme dans Resident Evil. Quand j'étais gamin, je jouais souvent à Resident Evil. En fait, c'était quoi le concept? C'était qu'il y avait un virus qui était arrivé dans une ville. Et en fait, il y avait tout le monde qui se transformait en zombie. Et en fait, là, pour moi, c'est rigolo. On dirait que... Faut pas dire que c'est rigolo, hein. Mais regardez, on dirait que je suis dans une ville fantôme. Il n'y a rien du tout. On dirait que je suis le dernier être vivant sur Terre. C'est rigolo, j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça aurait pu se passer un jour. Donc là, je suis sorti juste pour retirer de l'argent. Après, pour pouvoir manger un peu. Et donc voilà, quoi. Parce que même pour sortir, il faut demander une autorisation, prendre ses distances. Mais c'est dingue, hein. Il n'y a vraiment rien. Comme vous voyez, c'est vide de partout. Mais rarement vous allez voir des véhicules, parce que là, pour circuler, il faut avoir une autorisation d'un document administratif qu'on remplit. Je vais me mettre un peu à l'ombre, parce que la luminosité, peut-être là, n'est pas très bonne. Mais là, vous voyez, regardez, je marche au milieu de la route. Il n'y a rien, tout est désert. Resident Evil en France. En tout cas, restez branchés à La Réunion TV. Vous voyez que dernièrement, j'étais au Pérou. Heureusement qu'entre-temps, je suis rentré en France, je ne suis pas encore à l'étranger. J'espère que ça va très vite se passer, parce que moi, bientôt, j'ai besoin d'aller en Asie. Et là, des gens qu'on ne peut même pas sortir en France, j'espère qu'au moins dans 2 mois, on va pouvoir recommencer à voyager, quoi. En tout cas, restez branchés à La Réunion TV. Là, vous voyez que je vous montre vraiment une vidéo exceptionnelle. Ben, que là, au fait, coronavirus, on dirait que c'est comme Resident Evil en France. Allez, ciao, bye. Et si vous voulez voir toutes nos vidéos, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la petite cloche de notification pour rater aucune vidéo. Et là, vous voyez, c'est vraiment Resident Evil en France. Et au fait, il n'y a que les derniers survivants qui sont en vie, quoi. Allez, ciao, bye.